À chaque conflit, l'humain est condamné à faire éclater l'espace-temps qui lui est personnel pour commencer une seconde fois. Quand le tableau de notre monde intérieur devient trop bruyant ou trop morcelé, s'exprimer, créer, ce n'est pas s'oublier, mais affronter nos résistances intérieures pour faire face au mépris, la contrainte ou l'exclusion. Le refus de ce qui est autre, l'image d'un non-soi qui menace l'intégrité de l'édifice est au centre de notre repli identitaire. Cette part d'étrangeté qui est en nous, nous la projetons en permanence sur autrui. Il est donc essentiel de s'attaquer à la résistance qu'elle oppose au risque d'une relation directe et féconde entre un je et tu. Privée de la confiance affective qu'elle requiert, la pensée perd toute autonomie. Au lieu de s'exprimer librement, le sujet met en œuvre un programme discipliné d'opérations logiques fondées sur ses acquis. Il se garde d'inventer. L'urgence de s'adapter à la situation, source erronée de tous nos processus de protection, l'art-thérapie peut et doit nous en libérer. Elle nous invite à agir de notre propre initiative, sans autre but que de devenir nous-mêmes et par là même, elle nous permet de nous unifier. Être un, c'est consentir à l'autre. Être un, c'est donc se sentir libre d'être soi. Mais cette conscience de soi ne peut émerger que dans le contact bienveillant de l'autre, et ce contact ne peut être bienveillant que si cette bienveillance est réciproque. Il est un autre accès à la conscience de soi que le conflit, même dialectique, avec l'autre. Il n'est pas nécessaire de s'opposer pour se poser. Pourquoi ne pourrait-on devenir soi dans le côte à côte? Acquérir l'autre, c'est faire en soi une place à l'autre, nous dit Françoise Dolto. L'autre qui est en nous, notre part d'ombre, la part réelle et incommunicable de nous-mêmes. Notre étranger fraternel est, bien évidemment, l'autre qui est en face de nous, à côté de nous. L'art-thérapie est une invitation permanente à faire surgir dans une activité collective ou individuelle la vérité multiple et singulière des individus qui la pratiquent. L'affirmation de sa différence, et donc de son unicité, au lieu de susciter la rivalité, peut déboucher sur une sorte de solidarité créatrice à partir du moment où il ne s'agit pour chacun que de tracer un chemin. Il y a d'ailleurs quelque chose d'indiciblement beau dans l'infime commencement de ce tracé, qu'il soit verbal ou non, quand les premiers mots cessèrent, quand les premiers traits se dessinent. Le caractère unique de chacun s'exprime enfin au grand jour. L'expression « se sentir autre », qui signifie paradoxalement que l'on a accédé à soi-même, en est la traduction la plus pertinente. L'atelier d'art-thérapie idéal est donc un lieu où l'individu peut exprimer sa vérité profonde, sans faux semblant, et induire une nouvelle forme de rencontre avec lui-même. Il valorise un aspect choisi et inattendu de l'existence et donne voix à sa fragilité. L'acte d'expression s'incarne alors dans un projet pluriel, solidaire et salutaire. Il devient un champ de reconstruction privilégié. La dynamique créative est alors vécue comme ce qu'elle est, essentiellement, une matrice de signes partagés. Être soi, c'est aussi consentir au désir. Être soi, c'est se faire confiance en soi-même. Mais c'est aussi être authentique vis-à-vis de soi-même afin de ne pas être en désaccord avec son désir. Chez certains patients, le désir côtoie souvent les régions du silence. Il convient de l'entendre. Que dit-il? On ne peut en présumer le sens. Est-il absence? Est-il oubli? Est-il refus? Et quel refus? Est-il cette attention vive qui fait place nette pour que paraisse le neuf? Est-il ce grand moment critique,
fragile, où, dans la proximité du chaotique, de l'indicible, l'individu ne peut que se taire. Le désir nous invite justement à ne pas résister à ce que nous sommes. Il convoque le présent, l'ailleurs, et l'idée que quelque chose de bon pourrait naître là, sans être forcément attendu. Le désir libère les limites de l'infranchissable et l'espace qui s'annonce devient soudain plus vaste que celui que dessinait notre questionnement. Il ne répond pas à la première question que l'on se pose, mais à celle qui nous est posée et qui nous invite à franchir le pas, à oser. Le désir est passage du lieu de solitude à une communication primitive, originelle, afin que le grand vide se peuple de mots humbles, pluriels et pourquoi pas joyeux. Le désir est voyage si le compagnon de route, le thérapeute, est lui-même un voyageur curieux, désirant et bienveillant. La parole n'est pas solitaire. Elle ne tient que dans son rapport à l'écoute et au partage. En thérapie, nous pouvons multiplier les possibles de cette parole, simplifier les propositions ou la rendre plus complexe. Mais on risque alors de l'enfermer dans un langage doctrinaire. Il faut donc lui laisser sa plasticité pour ne pas l'enclore dans un schéma proposé. Le provisoire, la traversée critique, l'invention incessante, le foisonnement de la parole sont les traits essentiels des possibilités dans lesquelles l'art-thérapie s'inscrit. L'acte d'expression nous invite aussi à regarder autrement ce qui nous entoure, à dire des choses simples, à dessiner patiemment les contours de sa vie, à tenir dans ses yeux un peu de la joie du monde, un peu de la douleur du monde, un peu de la douceur du monde. L'imitation du réel n'est pas toujours le signe d'une résistance au désir. Il peut aussi s'interpréter comme la restauration d'un consentement au monde que le fantasme oblitérait. L'art naïf est une déclinaison possible de l'art brut dont relève la majeure partie des productions d'art-thérapie. La liberté formelle qu'implique l'authenticité de l'acte créateur peut prendre des formes diverses qui relativisent le sens du mot « résistance ». L'essentiel est que la création porte le sceau d'un désir originel qu'atteste souvent la singularité de l'œuvre. Être, c'est aussi consentir au nous. Mais cette singularité ne peut se découvrir au jeu que dans un acte d'expression qui postule le regard d'autrui, regard au sens large que Lévinas accorde au mot « visage ». Le « je » ne peut advenir à soi que dans la lumière d'un « tu », lequel suppose, si on met les deux pronoms en relation, un « nous » qui englobe l'humanité tout entière. C'est donc à une expérience constituante d'humanité que nous invite la pratique artistique telle qu'on la conçoit dans un atelier d'art-thérapie. S'il faut résister, au sens négatif du terme, c'est à la menace qui pèse sur l'existence d'un tel lieu où chacun puisse accéder à ce degré de confiance dans un « nous » qui lui permettra d'exister, au lieu justement de résister, de sortir de soi, pour entrer en relation avec le monde. Être, c'est enfin consentir à la beauté. L'attitude contemplative inhérente à la pratique artistique effectue une lente maturation des sensations, celle qui va de l'extérieur vers l'intérieur et inversement. Elle les rend de plus en plus légères, lumineuses, subtiles, vivantes, jusqu'au moment où elles font de la place à une claire vacuité qui est le creuset de la création. Qu'il s'agisse d'observer un arbre, une toile blanche, une œuvre d'art ou ses propres sensations corporelles, l'immédiateté de la perception peut seule nous permettre de voir plus grand. La vision ordinaire, physique, partielle, divisée, ne peut appréhender son objet que par fragments. Seule une perception où les sens sont en éveil est capable d'embrasser une œuvre, un paysage, une personne dans son ensemble. Mais la contemplation ne suffit pas. La beauté du monde ne se révèle vraiment que lorsque le mot, le geste, la couleur expriment ou laissent transparaître parfaitement la source d'où ils naissent. Le silence, l'immobile, l'indicible. L'inspiration se nourrit de ces trois mots
qui ont une origine spirituelle. Trois mots qui nous élèvent à cette sorte d'extase sensorielle rendue possible par la suspension momentanée de l'agir. C'est le moment où l'œil écoute, selon l'expression de Paul Claudel. Alors peut s'effectuer le geste créateur, libéré de tout autre guide que celui du pur désir. L'art a retrouvé la fraîcheur d'un jeu d'enfant. C'est Matisse qui découpe ses gouaches colorées avec cette joie enfantine, c'est-à-dire originelle qu'on voudrait rendre au patient qui a consenti à franchir le seuil de l'atelier d'art-thérapie. Au terme de cette réflexion, engagé sur la voie de la résistance, je me rends compte que j'ai surtout parlé du consentement. Conclusion paradoxale dont vous ne devez pas déduire ma naïveté irénique. Je n'ignore pas la nécessité politique de résister, plus urgente que jamais dans un monde où le « nous », par lequel j'ai défini la conscience de l'intersubjectivité, impliquée par l'émancipation de chaque individu, est menacé par le fanatisme identitaire. C'est que justement l'identité première et véritable est celle de la personne dans laquelle toute communauté devient une machine à produire de l'aliénation et de l'exclusion. Il me revenait donc, pour résister à cette menace, de présenter, au travers de cette vidéo, comme un modèle possible d'espace humanisant, l'atelier d'art-thérapie, qui réunit les conditions requises pour rendre à chacun la liberté d'être soi, non pas contre, mais avec les autres. Qu'il soit nécessaire d'entrer en résistance pour défendre ce modèle, je n'en doute pas. Nous nous y attelons chaque jour.